Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour la suite de la campagne sur Ce Warhammer soir pour 40 000, le Battle Sector. La dernière fois, on avait hier, nous avions commencé par découvrir le jeu. On a fait les trois tutoriels de chaque type qu'il y avait à faire, donc avec les déplacements, les mouvements, les armes, etc., etc. On avait aussi commencé un petit peu la campagne des Blood Angels, qui s'était plutôt bien passé. Bon, la dernière mission était assez délicate, hein, on a eu des pertes assez sévères, mais bon. On espère qu'on va se refaire pour la gloire de Sanguinaris et tout le Tointouin et pour l'empereur surtout. Faut pas oublier l'empereur. Pas d'empereur, pas de pierre, pas de pierre, pas de palais, bref, tout le tralala. Donc on va reprendre. Alors que je dise pas de bêtises, normalement c'était celle-là. Donc on était en difficulté moyenne à Starthès, donc la difficulté classique. D'accord, donc on va voir un peu la gestion de notre armée, qu'est-ce qu'on peut recruter? Bon, on a un peu de tout, donc ça va, on est assez polyvalent, ça c'est la force de notre chapitre à l'heure actuelle. On a deux héros, donc on va voir. Au niveau du QG, on n'a qu'un point, mais bon, on peut le mettre qu'un point ici et là. Donc lui, il pourrait nous buffer pour les dégâts. Je pense que je vais réfléchir pour des améliorations d'unité. Qu'est-ce qu'on a? Ça pourrait être bien pour eux. Hein. On pourrait avoir de ces unités là à la fin. Ça pourrait être colossal. Je pense que je vais partir sur ça aussi, tiens. Donc on est parti, on va partir sur la prochaine mission qui est la brèche dans le mur céleste. I could not hide my conflict while I gave Mitano my assessment. I have no doubt now that something of Sanguinius exists within these Primaris. But they move through a world not yet scaled for them. A universe not yet ready for their weight. They would have been in their prime had they been here days earlier, when the hordes of Xenos were infinite and unrelenting. Now, they clean up remnants, taking steps that once belonged to my lost brothers. They are like children playing at guardsmen. The significance of Pentasio's death was lost on the novice priest, but Mitano understood the threat immediately. If a synaptic leader still lives on Balfora, then it has remained undetected all this time. A threat left to fester. For that reason, the captain has sent me to scour the Heavenmoor. The range is bewildering to the new recruits. A maze of shock-riven valleys and impenetrable mountain trails. With only a fraction of cunning, a tyrannid beast could lurk here undetected for generations. And then, violently. Okay, ça sent pas bon. Alors. My vox screams static. Over a century's worth of instinct propels me towards the explosion. My orders are followed immediately, the rest of the detachment on my heels without question. Balfora holds surprises for us yet, brothers. Alors, je vais enfin y arriver. La majorité des formes de vie tyrannides sont sans malice et sauvages en isolement, mais peuvent être commandées par des chefs synaptiques. Ces créatures synaptiques agissent comme des conduits psychiques par la volonté implacable de l'esprit de la ruche. Lorsque plusieurs leaders synaptiques sont utilisés pour établir une force de combat, ils forment un réseau de nœuds télépathiques entre eux, dirigeant et manipulant les bioformes inférieures en une mode de chasse hyper organisée et impitoyable. C'est un peu comme les Vélociraptors dans Jurassic Park. Nous aurons le droit à une taille d'armée de 900 points et 5 crédits de récompense. Dreadnought this far from the Angelica, let alone one of the librarians. And your Primaris novices speak of wasted potential. Ours is not to question. Go, brothers, relieve the librarian. C'est parti, donc d'accord, on a une taille d'armée 2010, donc on en a trop. Je vais retirer l'un des
Parce qu'on a 110 points de trop, on va compter. Les deux héros, on va les garder, c'est obligatoire. J'ai déjà retiré une unité d'intercesseur. J'ai retiré les deux unités d'intercesseur, comme ça on aura eu 70 points. Les deux véhicules vont être importants juste pour aller rapidement sur l'adversaire. Les tronçonneurs là, là. Bon, je pense que ça va le faire hein, globalement. The help is appreciated, Sergeant. But if those Promethean flow controls aren't shut down, it's not just the orcs that are going to end up incinerated over here. Understood. We'll see to it, Ted Marine. Past, future. There is only service to the Emperor. Ok, donc on doit désactiver ça. Et à mon avis, on va avoir du monde aux fesses. Déjà, on a un Tyrannofex ici. On a des Ornagons là-bas. Alors, désactiver le segment de flux. Donc, faut qu'on aille là-bas. Ok. Donc, ça veut dire que bah, mes véhicules, vous allez commencer le boulot. Admettons, je me mets là. Portée optimale, je pense. Hein. C'est pas mal. On va les achever, je pense. Parfait. Une unité vient de tomber, c'est good. Oh putain, des volants, je vais les volants. On va envoyer un land speeder en support. Pour les gargouilles. Ça c'est good. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Ah putain, il y a ce Tyrannofex là. J'essaie de le bousiller de là. Ok, ça a servi à rien, d'accord. On va essayer une deuxième fois. Mais... ça n'a pas servi à grand chose. On va reculer. Donc nous avons deux nouveaux personnages. Donc le frère Kandar qui est une sorte de Dragnotus. Donc apparemment ce sera un Dragnout archiviste. Tech Marine, standing by. My power is yours to command. Par là, on a du people. Alors ces gargouilles là, est-ce que c'est du cac ou c'est du tir? C'est du tir volant. Oh putain. Alors admettons, il me faut donc avancer deux cases. Et logiquement, on devra faire du dégât là. Ok, on va revenir. On va avancer le prêtre pour qu'il dégomme. Allez, tiens dans le tas, tu peux le faire, petit. Parfait. Au travail, frère. Le prêtre qui fait le boulot, il n'y a rien à dire. On va se mettre là-bas. On va se mettre là. Got it.
Reds, plasma, under request. Moving into position. Et là, on va partir sur de la surveillance de masse. Oh là là. Est-ce qu'il peut cramer ? Ok. Bon, ça, 23 points de vie. Donc, il y en a là, d'accord. Ils sont en mode surveillance ici. Ouais, ça a fait du dégât quand même. On en déchirait pas mal. Voilà, je crois qu'ils vont pas faire long feu du tout. Les deux salles de deux unités de Hellblaster ont fait le job. Ah, y en a encore, hein. C'est pas, c'est de la saleté. Attention. Ah. Oh, c'est abusé, hein. Merci. Only in death for my duty. There wouldn't be a regular day if we didn't avert certain death, only to discover another source of certain death waiting for us. For the glory of Sanguinus. Ouais, deux secondes, mon frère, deux secondes. Ah non, on va essayer de le découper, mais ça va être compliqué. Oh, il a pas aimé. Il a mis quand même 100 PV hein, sur les... C'est plutôt pas mal. On va tenter de l'amocher. Ouais, on l'a mis un tiers de vie avec ces deux-là, c'est pas mal du tout. Bon, par contre, là, il y a du people. Mais bon, on va essayer de les affmocher. Bien joué. Bon, ça les a mis mal. Est-ce que si je me mets là, ils vont tirer? Pour le moment, non. Parfait, cette unité là, on l'a nettoyé son mode garde. On va avancer un peu avec nos... Comment il s'appelle? Avec nos véhicules, on va se mettre ici. Bon, pour le moment, il n'y a rien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec lui, je vais me mettre en position par là, comme ça, on sera près de la console pour la désactiver. Non, on a un autre problème. Qui là? Donc là, le Land Speeder, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va le mettre là. On va essayer d'utiliser les agresseurs pour commencer à le DPS. Grêlon de feu, on va essayer ce que ça donne. Ok, ça a pas fait grand chose. Dommage, on aurait pu en abattre un, mais ça a pas marché malheureusement. On va mettre de la surveillance. Non, ça marchera pas, ce sera pas optimisé. On va tenter d'en abattre un. On en a battu un, c'est cool. On va se mettre en surveillance là. Alors eux, ils ont pas encore agi.
Alors, admettons, je viens là. Est-ce que les Venanthropes, ça fait mal, hein, croyez-moi. Allez, découpe-moi ça. Ah oui, bien sûr. Ah oui, faut que tu rates aussi. C'est normal, on va dire. Oh putain, oh, il fait mal, lui. Recule. Tu peux pas te désengager pour le moment, non. On n'a plus assez de points d'action, malheureusement. Allez, on tente de finir ces deux-là pour aider notre frère, parce que le frère, il est dans la merde. Hein. Priesthood serves the will of the chapter. I'll keep an eye out. Aïe. Aïe. Bon, ça va. Ouais, là, ça picote, effectivement. Ah oui, ces conneries, ça vole, j'avais... C'est vrai, les gargouilles. Donc là, il va falloir le soigner parce que sinon l'autre il va nous mettre tarif. Bon, déjà on va réparer notre copain là. Ok, c'est un bon coup ça. Voilà, ouais, on l'a mis en très mal, ça c'est bien. Voilà, on l'a encore à moucher, c'est bien. Par contre, il faut qu'on lui ramène du renfort à l'archiviste, parce que tout seul, je doute qu'il tienne. Hein. Bon, déjà, on va soigner nos copains, là. Coup de tronçon, ça me semble pas mal pour les achever. Parfait. Beau travail ici. Là, on va avancer pour aider parce qu'ils vont avoir besoin de support. On va faire feu avec nos fusils plasma. Bien joué ici. On va pousser. Feu, feu, feu. C'est pas mal. Parfait, les dernières gargouilles ici, c'est vide, c'est nettoyé. On va avancer là. On va avancer là. Oh, oui, 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 pas de problème. Ah, on va avoir du dégât suite au poison, ça c'est bête de ma part, mais bon. D'accord. Par là, on va aller là, on va activer cette console. Je sens qu'il va encore avoir des horreurs. Ok. J'essaie de progresser avec le chef ici.
Ouais, on a une zone de vigilance avec notre speeder là, avec le chef en plus. Comme ça, ces deux-là, ils pourront s'y rendre et notre corps principal avec. Ok, un autre truc là, ok. Oh le con. Bon travail, frère. Potential targets detected. Allez, ils vont nous tirer dessus. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent tenter, mais bon. Bon, déjà. Soin. On va tester de bolter sur ça là. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. On va les engager au corps à corps. Ils sont pas doués pour le corps à corps sur le papier. Allez, achève-les. Qui était pas doux au tir, hein, note. Bon. Il y a d'autres ors ici. On va se mettre en vigilance là. On essaie de les amoucher. Eh, on en a battu un quand même, bien joué. Avec ce petit bonus, c'est pas mal. On va réessayer la manip ici. Bon, les deux sont amochés comme ça, ça c'est bien. Allez, on essaye là. Allez, faites chauffer ces blasters. Bien joué. Et de deux, c'est bien. Comme ça, toi, tu te soignes. Et ben voilà, 97 points de vie, c'est bien. Là, tu te mets en mode vigilance. Tu te mets en vigilance comme ça, toi. Il nous reste encore des agresseurs, là. J'ai peur pour mon speeder, hein, tout seul. Comme ça, s'il tente d'approcher, c'est fait. Ici. Je vais me mettre là-haut. Oups. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va tirer dans le temps, hein, pas le choix. Ok, bon. Lui, il est un peu dans le brin, mais bon. On va voir. Deux PV. Vous êtes sérieux, les mecs? Bon, ça, ils se ramènent leurs guerriers, c'est bien. Attention le véhicule. Bon, ça va, 25 points de vie, ça tient. TRP, encore ça, ouais.
Ils vont tirer sur qui? Ça va, il encaisse notre drague, nous, c'est bien. D'autres mouvements, ok. D'accord, ils sont en vigilance. Ça va, ça encaisse bien. Bon, c'est bien, ils ont envie du Dragnoot. Bon, dommage ici, ça n'a pas marché malheureusement. C'est bon. Salut Momon, comment vas-tu? Oh, on voit que notre Dragnoot attire l'attention de tout le monde, ça c'est assez drôle quand même. Hein. On va voir. On a un nouveau des nouveaux copains. Alors. Déjà on va commencer par terminer ici. Merci. Alors pourquoi lui je peux pas l'utiliser? Alors est-ce que tu vas tenir toi? Ouais, oust. Ok, on fait deux de liquider. Par contre là, nos copains ils vont avoir besoin d'aide. Hein. Il faut pas que vous le zigouillez. Oh, t'es sérieux, un point de vie? Non, t'es dur là. Bon, la chef, de s'il te plaît. Merci. Nos Space Marines vont venir ici en support. Et on n'a plus de points d'action. Dommage. Dommage, dommage. Les Hellblasters, on va les faire tirer sur ça. Allez. Bien joué, c'est plutôt pas mal. Hey. Tronçonnez-moi tout ça. C'est bien joué, ça c'est très bien joué. On va avancer. Là, je peux pas soigner pour l'instant. J'ai tenté de les achever de là. Parfait. Bien joué. Donc là, nos renforts sont bientôt là, c'est cool. Oh là là, mais... Non, mais sérieux, là, le jeu... Ouais, il n'y a pas de TK, ça c'est plutôt cool. Bon, sur le papier. Donc là, il faut qu'on désactive ça, on y est au prochain tour. J'ai quand même avancé d'une case supplémentaire. Vous. Attention là-bas, c'est quoi ça? C'est des thermagans, c'est ceux qui tirent, c'est ça? On va se mettre en vigilance là. Ensuite là, les SM commencent à me tirer là-dessus. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste encore qui a pas joué?
Alors, toi t'as joué, toi t'as joué, toi t'as joué. Oh, j'ai oublié ces deux. Oh, j'ai oublié du monde en arrière. Ça, c'est pas bien ça. On va se lancer à l'assaut. Here we go, here we go. En plus, il y a des Hellblasters en arrière. Alors, ça, c'est pas cool parce qu'on aura besoin de leur force de frappe au centre. Voilà. Là, il faudra qu'on recule. Par contre, ils vont être chiants. Donc, ils sont barrés. Ok. Encore des gargouilles. On veut tu en voilà. Oh putain. Oh, il a pas cher lui. Surveillance ici. Voilà. Je crois que lui risque de manger. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent. Bon, ils vont venir vers nous, je pense. Bon, on n'a pas fait grand chose, tu me diras. Bon, ça, il encaisse bien, mais. On va traquer ces résidus là, ces restants de thermagon, thermatruc. Qu'est-ce qu'il reste? On a éliminé leurs grosses créatures. Ils ont 2-3 volants. Bon, leur unité la plus menaçante, on l'a vite neutralisée. Par contre, monsieur l'archiviste, votre collègue, hein. Toi, tu vas commencer par prendre ça. Une petite salle supplémentaire. Soigne-moi ça, s'il te plaît. Voilà, merci. Là par contre là ils ont besoin de renfort au centre. Toi tu vas te mettre là. Non, oh putain, bon top. C'était un misclic. Bon, au moins on en a zigouillé quelques-uns ici, c'est bien. Même si c'était pas l'idée. Parfait, ici c'est réglé. Ok, on a fait ce qu'il fallait, ça c'est cool. Maintenant. Achève-moi ça là. Parfait. Ici c'est vidé, c'est nettoyé. Le gros des forces tyranniques là. Vous allez venir là, massacrez-moi ça. Pas mal du tout. Bon, maintenant il nous reste un peu tout ce petit monde là-bas. Et c'est pas qu'ils sont nombreux, mais ils sont nombreux. Parfait. Là, ils sont bien amochés. Là, il y a encore des Ormagones, donc c'est du cac.
Lance-grenade, on va faire sur... Oh, sur les gargouilles, allez, feu. Ouais, ils sont pas mal amochés comme ça, ça c'est cool. Toi, c'est bon. Qui c'est qui a pas encore joué? Là, on peut plus avancer. On va avancer là avec eux. Est-ce que tu as la portée pour me zigouiller ça? Vas-y, essayez. Bon, c'est bien. Elles sont bien amochées comme ça. Alors c'est quoi? C'est des tireurs ça. On va éliminer cette escouade d'assaut en support. Comme ça là, ça va rediriger un peu l'attention. Ça va. Ah ouais, ils encaissent pour l'instant. Les gargouilles, c'est ça va, c'est pas les plus dangereux, mais c'est ça, ils peuvent être chiants avec leur volant, le fait qu'ils volent. Alors du trucidage en règle. Très efficace hein, vos trucs les mecs. Il reste encore 5-6 unités, un truc du genre je dirais. T'as pas plus gros au cas où le en face le tyrannide. Encore des volants. D'accord. Je mets en vitesse accélérée juste pour voir. Ok, bon là c'est good. Alors t'as pris cher ou pas toi? Non, ça va. On va massacrer ces quelques termagants là. Eh ben on va te donner un point d'action supplémentaire, comme ça tu vas pouvoir retaper. Parfait. Comme il a assez d'impulsion. Très bien, au moins il les tue petit à petit. Pas mal du tout. Bon, Kindar, fais volonté là-dessus. Merci. Commence à me nettoyer ici. Parfait, ici ça a été découpé. Bon, il reste encore ici. Bon, là il y a un peu de people, mais je pense que là les gargouilles, on va les finir avec ce landspeeder. Oh oui, un essaim. Oh, oui, man. Sinon c'est pas drôle, n'est-ce pas? Il y a encore ces deux unités là complètes. Alors, par contre, les Hellblaster. Ah, il y a encore une unité derrière, je l'ai vu. Virer ça. Bon, ça c'était bien amoché, c'est cool. On va mettre une petite sauce ici.
Ça n'a pas donné grand chose d'intéressant. Bon, ok, ça n'a rien donné du tout ici, c'est dommage. On va se mettre là, on va tirer. Parfait, ici, c'est bien joué. Bon, je me suis trompé, mais bon, tant pis. Parfait, ça c'est bien joué. On va se redéplacer là. Là, on a des SM en renfort. Ouais, c'est bien, c'est ça que j'avais un peu, peut-être un petit peu peur au début, au moins c'est le fait que les maps, bah, ça c'est toujours les mêmes et que bah tu t'y fais vite. Mais là j'ai l'impression que chaque map est unique et ce qui est plutôt pas mal quoi. Tu vas me soigner juste cela. Même si on n'avait pas réellement le besoin. Le Land Speeder du fond, tu vas revenir en renfort ici. Et toi, tu vas décoller, tu vas rejoindre le combat ici. Ça, là, l'idée, ça va être de mettre notre héros plus fort de la mêlée. Je pense que j'ai rien oublié. Non, il y a encore une, deux. Il y a de moins en moins d'unités, donc ça va. Il y a juste, alors cette unité là, bon elle est amochée mais sans pas trop, et là il y a une autre unité encore. Alors empoisonné évidemment. Bon là ça peut faire très mal. Bon ça va, il y en a qu'un mais il n'y a rien fait. La jolie suppression là. Ok, ils sont en mode surveillance. Ok, ils se sont barrés les deux gargouilles restantes. Donc là on a encore 4 pelotes de régiment ici. Bon ça va. Il y a quelque chose là, j'ai pas vu ce que c'est, alors il faudrait qu'il se pointe. Encore des gargouilles, sérieux. J'espère que c'était les dernières. Bon ça va, notre véhicule il est bien protégé. Ça va, tranquille. D'accord, bon. Ah, tu me le soignes totalement. Et là on va commencer à te taper dans le tas. Surpuissance. Allez, un coup de bolter lourd là. Là il m'a vénère, ça y est. Là, l'archiviste là, il se réveille, il est en train de tout nettoyer. Parfait, là les gargouilles sont bien amochées. Alors toi, tronçonne-moi ça. Hop, deux gargouilles en moins encore, c'est good. Il est où le prêtre? On va se remettre là. Comme ça les squads d'assaut pourraient être soignés par le frère à Aeturo. Encore des gargouilles en moins. Ah bah ça a pas été glorieux hein. Donc là je vais me mettre en mode surveillance là.
Tente un petit coup de lance-grenade ici pour les nettoyer. Ok, parfait. Bien joué. Là, ça fait encore une unité de moins. Au prochain tour, on pourra utiliser les lance-grenades ici, peut-être pour nettoyer encore une autre unité de Termagant. Merci d'être passé, toi. Je vais me replier là. Comme ça, je serai près du prêtre. Et là, on va tirer dans le tas. Là, on avait un bel angle. On a liquidé 4 sur les 8. C'est plutôt cool. Ici, donc le prêtre est encore là. Je vais tenter de me mettre là. Bien joué du Land Speeder, je vais le reculer. Il y a encore une autre unité là, c'est bien. Les tactiques. Je dis, pour moi, c'est des tactiques, ça, les intercesseurs. Après, c'est peut-être un cran au-dessus, je sais pas. Je suis pas un expert à 100% dans leur 40K, mais pour moi, ça ressemble plus à du tactique de base, hein, quand je vois l'équipement. Donc là, c'est en surveillance, là, c'est en surveillance. Il n'y a plus rien, là. Lui, il a fait le boulot. Dans le doute. Surveillance ici, et tout le reste, surveillance. On en a eu un. Ça va. Ça aurait pu être pire. Et encore cela. D'autres gargouilles encore. Oh, c'est pas possible. C'est horrible les gargouilles. Ennemi plus chance sur 20, gargouille. Ok. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, mais bon, ça, c'était à prévoir. Bon, ça, ils ont pas trop pris de dégâts ici. Alors, qu'est-ce qui nous resterait? Bon, déjà, toi, tu me répares ça. Faut à volonté là-dessus. On bourre. Merci. Ici, c'est fini. Oh, il y aura un beau flanking là si je mets mon truc ici. Mip, 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 mip. On va achever ces gargouilles là. Parfait. Beau travail de notre Land Speeder ici. Alors toi. Ça c'est bien. Est-ce que si je lance une grenade là, admettons, lance-flamme, on va voir ce que ça donne par curiosité. Pas grand-chose malheureusement. Les Hellblaster, vous allez achever cette unité. Dommage, il reste encore une. On va envoyer découper du Termagant. Submergé, il se replie, ça c'est cool. On va achever ça. Allez, sergent, au boulot. Parfait.
Peut-être que tu peux foutre le coup de grâce sur cette gargouille. We are honored to fight by your side, Brother Librarian. I would ask after your purpose out here, but it seems we both have a new objective to see to. I can't tell you the number of times some captain has overcommitted to his own hyperbole. We've got our own work to do. I'm afraid our own mission will be overridden, Brother Progenax. There are some in the Librarius that believe Leviathan returns. What? No. That can't be true. And yet sages far older and wiser than you now argue otherwise. They conjecture that a strong enough synaptic network could guide the Hive fleet back from the warp, like a beacon in the storm. I do not know the truth of this. Regardless, the sergeant will require my help if he is to find his prey in these mountains. We'll take you to the lensing array then. Quinter's gonna need it if he's to stay awake scrying for your pests. Don't make him wait while you scratch yourselves thinking about it. Bon, on a neutralisé quoi. Donc on a détruit un autre Tyrannophex, on a détruit 9 Thermagons, 6 Ormagons. On a détruit nos premières gargouilles, on a détruit un autre Venomtrope, c'est pas mal. Capacité de déploiement améliorée, limite de pont augmentée. Alors on a 6 points. On pourrait avoir des grenades pour des tactiques. Les grenades en vrai on va en avoir besoin, je pense. Bénédiction de l'Omnésie, ça va être utile. Bouclier de Sanguinus, on en a besoin aussi. On va avoir besoin des capacités de commandement tôt ou tard. Je pense que le mitraillage au canon d'assaut, ça pourrait nous sauver de beaucoup de batailles. Ah oui, ils ont de bonnes stats. Hein. Là, ils vont commencer à être sérieux. Mais je pense que c'est un bon choix de prendre les grenades sur les tactiques. Ensuite, on verra pour ça. Et le fusil bolter automatique, c'est pour les tactiques, ça pourrait être très très bien. Quoi. Il y a pas mal de bonnes choses hein, quand on regarde. Et ce que j'aime là, c'est que chaque héros, de ce que je comprends, peut buffer des unités spécifiques, que ce soit Alicia par exemple, Kinda, il peut buffer les archivistes, de ce que je comprends, les Dreadnoughts. Franchement, il y a des bons choix à faire, quoi. Et aussi, je comprends bien. Lui, si je comprends bien, Aichiro, il buff à la fois les agréateurs Blue Angel, les unités d'armure Mac 10 Gravis, qu'on n'a pas encore débloqué, je crois. Ça viendra peut-être plus tard. Les Hellblaster, lui, il peut débloquer tout ce qui est donc unité mécanique et véhicule. Les Non-Speeder qui en font partie, bien sûr. Ouais, franchement, c'est plutôt cool.